réussi à me trouver un coin qui est à l'abri du vent. Parce que le vent, on n'en manque pas actuellement. 25 nœuds, ça doit monter jusqu'à 30 nœuds. Les vagues sont importantes. Il fait froid, c'est frais. J'ai même perdu ma casquette dans le vent. Alors, c'est pour ça que je me tourne vers un bonnet de néoprène pour me garder au chaud. Et si je suis ici actuellement, bien, c'est parce qu'avec autant de vent, bien, ça fait le bonheur des adeptes de sport de vent. Et j'ai devant moi des planchistes à ce moment-là qui sont en train d'avoir du plaisir sur le fleuve. Et moi, je veux les photographier. J'ai du plaisir à photographier les adeptes de sport de vent, même s'ils sont au loin, parce qu'actuellement et depuis le dernier mois, je mets à l'épreuve un objectif que je me suis acheté au retour de la Caroline du Nord, parce que, comme dit toujours mon amie Hélène, au niveau, par exemple, de la photo d'oiseaux, on en veut toujours davantage. De quoi parle-t-elle? De la distance focale. On veut toujours se rapprocher des oiseaux. On veut toujours se rapprocher des gens qui font du sport de voile, par exemple, et qui sont au large actuellement, tout comme les surfeurs que j'ai pu photographier en Caroline du Nord. J'aurais bien aimé pouvoir avoir une distance focale qui me permettrait de cadrer encore un peu plus serré. Alors, on en veut toujours plus. C'est pourquoi, au retour de la Caroline du Nord, je me suis procuré le Canon RF 100-400. Au niveau de l'ouverture, ça va de 5.6 à F8. Et je veux vous partager avec vous mes premières impressions au niveau de cet objectif-ci. Ben voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBelleFoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Mon ami Denis qui s'en vient, et puis là, je suis à 1/500e de seconde. Denis va essayer de peut-être de faire un saut. Non, pas cette fois-ci. À ce moment-là, ça c'est tout à fait correct. Et ce qui est drôlement intéressant quand on travaille avec un 100-400, autant avec, à ce moment-là, la distance focale de 400, on est capable d'aller chercher le sujet assez loin. Mais autant lorsque celui-ci se rapproche à ce moment-là, je suis en mesure de modifier mon cadrage pour pouvoir conserver le planchiste à l'intérieur donc de mon cadrage. Alors, c'est donc intéressant d'avoir cette hypothèse-là au niveau d'un télézoom, de pouvoir aller de 100 à 400. D'autant plus que lorsque je le jumelle avec mon R7, alors là, à cause du petit capteur, ça, on va donc avoir un multiple de 1.6. Ça veut donc dire qu'à 100 mm à ce moment-là, ça devient un 160 et à 400, à ce moment-là, fois 1.6, ça devient un 640. Alors, vous voyez donc que la portée, elle est drôlement intéressante. Et comme le disait mon amie Hélène, au niveau de la photo d'oiseaux, bien, on en veut toujours davantage. Alors, voilà donc pourquoi on commence à avoir une portée là, qui est drôlement intéressante. L'offre de Canon s'améliore avec le temps. Bien sûr, au niveau des téléobjectifs, on est capable d'aller dans la stratosphère au niveau des prix, donc avec des objectifs qui sont professionnels. Mais l'objectif que j'ai juste ici, bien, c'est un objectif de compromis. C'est un objectif qu'on pourrait peut-être dire à ce moment-là de milieu de gamme et qui va faire un bon boulot, ça va être intéressant. Ça veut dire également qu'il est relativement abordable. L'objectif que j'ai ici, juste en main, il fait 635 grammes. Alors, c'est tout léger. Pour un téléobjectif, c'est vraiment très, très, très léger. Travailler à main levée avec cet objectif-ci, c'est tout à fait jouable, c'est très faisable, d'autant plus qu'il y a la stabilisation d'image là, qui est là avec l'objectif, qui vient avec l'objectif. Alors, c'est drôlement intéressant, d'autant plus qu'il n'y a même pas ici d'espace ou d'éléments qui sont prévus pour une bague, si vous voulez, pour travailler avec un monopode. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, je vous dirais, dans la conception de l'objectif. C'est drôlement intéressant, je le disais, et de transporter donc le téléobjectif dans un sac photo, ben c'est très léger, c'est très facile, et puis c'est vraiment pas quelque chose là, qui est pénalisant, absolument pas. D'ailleurs, au niveau de la taille de l'objectif, là, si j'enlève le pare-soleil, qui de toute façon n'est pas fourni par Canon, si vous en voulez un, il faut absolument l'acheter à part, mais heureusement, ce n'est pas trop dispendieux. Mais lorsque vous regardez à ce moment-là la taille de l'objectif, bien, vous voyez que lorsque celui-ci est resserré, refermé sur lui-même, vous voyez la taille de l'objectif. Alors, c'est vraiment très, très, très léger. Ce n'est pas quelque chose qui est lourd à transporter et puis qui est encombrant. Et lorsqu'à ce moment-là, on déploie l'objectif pour aller jusqu'à 400 mm, à ce moment-là, au niveau de la distance focale, bien, vous voyez à ce moment-là l'amplitude qu'il a. Alors, c'est vraiment pas quelque chose qui est déplaisant à travailler avec celui-ci. Bien sûr, c'est un objectif qui est de compromis, c'est-à-dire que
L'ouverture la plus lumineuse qu'on a à ce moment-là est à 100 mm au niveau de la distance focale, c'est 5.6. Et puis, lorsqu'on déploie jusqu'à 400 mm, à ce moment-là, l'ouverture la plus lumineuse qu'on est capable d'avoir, c'est F8. Ce n'est pas le meilleur objectif pour ce qui est des basses lumières. D'ailleurs, je vous présente des photos que j'ai pu prendre au lever du jour, si vous voulez, sous la pluie, là où est-ce que la lumière n'était vraiment pas la plus généreuse qui soit. Vous allez pouvoir voir qu'à ce moment-là, quel est le rendu qu'on est capable d'obtenir là-dessus. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un objectif qui a une agilité aussi significative ou aussi importante qu'on pourrait l'avoir avec des objectifs ou des téléobjectifs pro qui sont capables d'aller jusqu'à F4, par exemple, tout cela. Non, mais dans ce cas-ci, évidemment, on n'a pas cette capacité-là. N'empêche que lorsqu'on travaille en pleine journée avec une lumière qui est suffisante et abondante, on est vraiment capable de tirer profit à ce moment-là de l'objectif. Et là, je viens juste de voir un cormoran passer au moment où est-ce que je vous parle. Ça aurait été drôlement sympathique de pouvoir capter celui-ci. Pour obtenir un téléobjectif à un coût qui est aussi abordable que le 100-400, bien sûr, il faut y aller vers des compromis. Mais il y a des choses qui sont drôlement intéressantes au niveau de l'objectif. La première des choses, et aujourd'hui c'est très précieux, il y a la stabilisation d'image au niveau donc de l'objectif. Et puis justement de travailler avec 25 nœuds devant. Lorsque je tente de faire mes photos, il y a des coups qui se donnent, il y a des rafales de vent qui sont là et la stabilisation d'image, elle est drôlement précieuse à ce moment-là pour pouvoir bien capter les photos. Je vous dirais également un élément que j'aime bien, il y a le mécanisme ici pour verrouiller donc l'objectif parce qu'avec l'amplitude qu'il a, c'est intéressant lorsqu'on marche effectivement d'être en mesure de verrouiller l'objectif pour pas qu'il se déplace ou quoi que ce soit, là, si vous voulez, ou pour le sécuriser. Je pense que c'est quelque chose qui est drôlement bien fait. Autre qualité, c'est le fait qu'au niveau du diamètre de l'objectif, c'est du 67 mm. Alors, c'est vraiment courant au niveau des filtres. Vous avez probablement déjà, à ce moment-là, des filtres qui vont convenir pour l'objectif en question. Ah, c'est drôlement intéressant. Il y a une invasion de goélands, mais ça fait des photos qui sont assez spectaculaires là, avec tous les goélands et les planchistes, là, comme c'est là. J'ai essayé de tirer profit de la situation. Puis c'est là que le cadrage ici me permet de jouer avec la situation. C'est intéressant d'avoir cette possibilité, cette amplitude-là au niveau de la distance focale. Aïe, aïe, aïe! Ah, c'est drôlement intéressant. Il y a une espèce de ballet de goélands actuellement. Là. Je suis supposé de parler des sports de voile et de vent, mais un petit instant, les amis, là, parce que j'ai quelque chose de drôlement intéressant qui est en train de se passer, puis je vais vous présenter les photos, bien sûr. C'est drôlement sympathique d'avoir un 100-400 entre les mains, parce que je suis en mesure de faire des photos de sujets que je n'ai jamais été en mesure de faire. Jusqu'à maintenant, même si je les voyais donc à l'œil et à une grande distance, eh bien là, je suis capable d'aller faire de la photo. Actuellement, j'ai donc un bateau commercial qui est en train de passer au large au niveau du fleuve. Et habituellement, je n'aurais pas été en mesure de prendre une photo de ce bateau-là, mais là, j'ai réussi à pouvoir le faire. Donc, c'est drôlement sympathique. C'est comme si il y a toute une gamme de sujets à ce moment-là qui s'offre à moi parce que j'ai le 100-400 ou j'ai un téléobjectif là, qui me permet d'avoir une bonne portée. Parmi les sujets que j'ai pu photographier avec le 100-400, bien, je suis bien content de l'avoir fait au retour de la Caroline du Nord parce que c'était la période migratoire au niveau des oies blanches. C'est un sujet qui est également très sympathique à photographier. D'ailleurs, à ce moment-là, je vous présente quelques-unes des photos que j'ai pu faire avec le 100-400 depuis le dernier mois.
vous avez apprécié cette vidéo sur l'objectif de Canon pour la monture RF, le 100-400, avec son ouverture de F5.6 à F8. C'est un objectif qui va apporter beaucoup de plaisir aux gens qui font du sport, comme je suis en mesure de le faire actuellement, ou encore qui veulent se rapprocher au niveau de la photo animalière et de la photo d'oiseaux. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.